Point de bourse avec Trading Central. À la une de l'actualité, ce lundi, on retrouve Ryanair. La compagnie aérienne à bas prix a dévoilé pour son premier semestre un bénéfice net d'1,37 milliard d'euros contre une perte de 48 millions un an auparavant. Le groupe prévoit que les réservations restent élevées pour les fêtes de fin d'année. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre Evis 13,40 euros et 13,80 euros. Worldline, le spécialiste des paiements électroniques, a de son côté signé un accord ferme concernant l'acquisition des activités d'acquisition commerçant de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre Evis 47,25 euros et 49,40 euros. On passe à la stratégie du jour. Il s'agit de Renault. Le titre a pris appui sur sa moyenne mobile à 50 séances afin d'initier un rebond du côté des indicateurs techniques. L'indicateur de tension RSI a rebondi et évolue en territoire acheteur, ainsi au-dessus des 27 euros. Une nouvelle jambe de hausse est anticipée en direction de 32,80 euros, puis 38 euros en extension. Portez-vous à l'achat sur le Var en call J747T, mis par Unicredit, de prix d'exercice 34 euros et maturité au 14 juin 2023. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40, l'indice reste confronté à une résistance oblique correspondant à une ligne de tendance interne autour des 6 430 points. En cas de franchissement de celle-ci, on pourra se porter à l'achat sur le Var en call E388T émis par Unicredit de prix d'exercice 6 450 points et de maturité au 17 mars 2023. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.